Eh bien, salut à tous, c'est Titou70 et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur GTA V pour la suite de notre let's play. C'est parti, donc on a Michael, on va partir faire la mission. Cette fois-ci, pas de tennis, pas du tout de tennis parce que on sait maintenant que rien qu'un set ça peut durer super longtemps. Enfin, pour moi je trouve que 5, 6 parties. Je sais pas si c'est parce que j'ai perdu. Oh, une voiture, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est parce que j'avais perdu que ça a duré aussi longtemps. Mais... Enfin, on se prend des voitures aujourd'hui. Donc, hop. Non, on va pas aller à la mission. On va aller au point d'interrogation qui est devant nous. On va voir ce que c'est. C'est un truc de course, un truc comme ça. On va continuer. Allez. Donc on voit qu'on peut acheter des armes à gauche. C'est un peu comme GTA 4 d'avant finalement. Sauf avec beaucoup d'améliorations en plus. Et toujours aussi autant de mauvaises conduites. C'est pas croyable, comme j'arrive pas à conduire, j'y arrive vraiment pas. Autant sur GTA 4, ça pouvait passer. Alors là, le véhicule dérape. Et bon, je sais pas qui c'est qui me poursuit. Ok. Parce qu'il me prend lui, mais il veut vraiment m'arrêter. J'ai dû lui taper sa voiture. Pas content, il l'a payé très cher, c'est pour ça. Il doit être vraiment énervé. On va faire un petit tour ici. Amener chez lui. On va voir ce qu'il y a. Enfin, ben, j'aime pas trop les armes, mais. Donc, protection. Les armes. Non. J'ai pas dit ça. C'est ça. Donc, il y a des revolvers, gaz lacrymo, grenade, bombe collante, bidon d'essence, pistolet paralysant, taser, matraque, couteau. Oh, parachute. Un marteau. On peut améliorer carrément. Donc on peut tout choisir. On va en prendre un en or. Ouais, si c'est la classe. Nous on va mettre quoi dessus? En silencieux. C'est tellement trop la classe. Si. Voilà. Ah. Ok. Sauvegardation. C'est où le stand de tir? Parce que j'ai vu qui tirait. Donc voilà, on va pouvoir tester l'arme. Oh, on va tirer. Ouais, arme de poing. Défi, cible statique. Y'a pas mon arme à moi? N'importe. Défi 1, les cibles statiques multiples, les cibles, il faut que j'en touche 100. Ah non, faut que je fasse 2800. Merde. Ça commence bien. Je sais pas s'il y a un temps. Ah donc il y a un temps, oui. On va recommencer vu que ça a l'air, on va dire, simple. Enfin, c'est juste que j'ai failli au début. Hop. 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 Hop, hop, hop. Speak up. Défi pistolet. Ah bon bah j'ai bronze.
Et il faut faire précision récent. Bon bah, on va pas continuer sur ça. Pardon, on va aller continuer. Waouh, va... oui. Donc ça va, c'est pas mal. Et nous on a quoi comme arme? On peut les voir. Voilà. Donc on va partir. On va aller au point d'interrogation comme j'ai dit. Je l'ai dû le dire 400 fois. Donc pour les armes, c'est une arme de type calibre 45. Non, calibre 50. On va faire le connaisseur. Plus on en a deux. Allez, en or. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a toi avec ta voiture? Merci, en plus j'en cherchais une qui va assez vite. Je pense que celle-là doit faire l'affaire. On va placer le petit repère sur les cartes. On est juste à côté, c'est parfait. Hop, faut être carrément à 15 000 km du point d'interrogation. Allez, oh, de taco. Toujours la conduite super excellente de la mort qui tue. Dérapage trop de la classe. Donc c'est là. Voilà, c'est là. Bon, c'est où? C'est en haut? Ouais, ça doit être au-dessus. Ouais, mais des tanks. Easy. Ça doit être lui là. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? What are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. Ah, c'est parce que t'as trop fumé. It's illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy. Moi, je ne suis pas pour. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. Là. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grew up myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Non, fais pas cette connerie. Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. Oh, I merde. Mean, I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get too near. Oh, the fuck! Tuer les extraterrestres. Ah ouais, donc c'est vraiment pas fort. Quand tu disais que c'était pas fort, c'était vraiment pas fort. Hein. On voit juste des extraterrestres apparaître à part ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas fumer. Regardez, c'est des prédateurs radioactifs. Are you please go away? J'ai pas vu qu'il y en avait de tous les côtés. C'est pas la légalité, ça. Pardon pour le bruit de la langue. Je peux pas voler l'autre arme parce que ça, c'est. Vos armes, c'est pas du tout mauvais sur le type d'arme. Voilà le gars qui est là.
Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est des aliens. C'est des snipers aliens. Ça aussi qu'il a fumé. N'oubliez pas, la drogue, c'est mal. Vous verrez des aliens et vous devrez tirer dessus. Avec des miniguns. Fuck you! They're inside me! Shit! I gotta shake these fools! Get out of my head! Stay away from me! Oh, il reste encore combien? Tu te calmes, tu vas dans un endroit posé. Are we finished yet? Any more you freaks out there? Ah bah enfin. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? Voilà. Maintenant vous savez ce que ça fait quand vous fumez. Voilà. Quand même eu le résultat argent. Donc, totalement drogué. Voilà, ça fait ça. Donc, pour partir à la mission. C'est parti. Comme d'habitude, on va braquer. Un bus. Non, trop rapide. On va braquer une petite voiture. Changer. Ok, ok. Toi, t'arrêtes. Le truc qui va aller à 2 à l'heure, je pense. Alors, c'est pas où. Droit. Faudra qu'on aille voir. Je l'ai vu cette fois. Edith. Je vais la voir. Putain, c'est incroyable. Je l'ai perdu. Vite, si je veux le rattraper. Vite, 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 vite. Je vais aider la police pour une fois. Mais il va pas m'échapper, hein, vous inquiétez pas. Merci, Julien. Donc, petit voleur deviendra grand. Excusez-moi. Peut-être je me disais je pouvais vous tuer. Tu t'arrêtes ou je te tire dans les... Tu t'arrêtes. Voilà. C'est par où qu'on doit rendre la récompense? Notre honnête citoyen. Ouais, je sais, on est dans le calaf, dans GTA. Mais on va quand même le rendre. Parce que, imaginez, il nous donne plus. Ah non. Ce serait bizarre. Il pourrait nous donner plus. Pourrait. On dirait vraiment le signe Millennium. Excuse me. Alors que je me tape tout à pied. Je peux pas apporter des voitures avec le téléphone. Préservé, vous obtiendrez le résultat Michael, j'ai été... Ouais, on lira plus tard.
va appeler le secours, on dit ça. Enfin, il y a la pierre en courant. Finalement, je me suis aperçu que les vidéos étaient regardées assez vite, donc si vous voulez que je sorte plusieurs épisodes par jour, enfin, du moins essayer parce que c'est quand même compliqué. Donc, tenez. C'est tout. Alors, juste comme ça, tu me remercies. Alors, j'aurais pu partir avec ton truc. J'ai été écrasé. Voilà. Bon, direction la mission où je vais peut-être sortir plusieurs épisodes par jour. Donc ça a l'air de vous plaire finalement. Bon, par contre, si je sors plusieurs épisodes par jour, je ne ferai pas des vidéos comme je fais maintenant de 20 à 30 minutes, mais plus de 15 minutes à chaque fois. Après, c'est dur de faire ces temps-là parce que j'ai tendance à jouer pas 5 minutes. C'est pas que je me force pour faire des vidéos de 15 minutes, mais quand on est pris dans GTA, on a envie de jouer un peu plus. Donc, d'une part, pour vous aurez plus de vidéos, et d'autre part, pour moi, ça permettra de jouer un peu plus longtemps parce que je ne joue pas pendant que ce n'est pas des vidéos. Je joue que pendant que je fais des vidéos à chaque fois. Donc, pour l'instant, comme vous, je suis qu'à la. Je ne sais pas du tout où est la suite, enfin, ce qu'est la suite de la vidéo. Ça, on découvre en même temps et je trouve ça plus sympa. Sauvegarder les véhicules en laissant le garage. Je pensais qu'on peut rentrer combien de véhicules dans ce garage? Parce qu'il y a quand même un gros garage. Il a aussi un terrain de tennis ici. C'est embêté à aller dans un terrain de tennis pour rien. C'est parti, la mission commence. Père et fils. Père slash fils. Ah, c'est le fils qui joue à Call of. Enfin, un jeu qui ressemble à Call of. Allez, vas-y, dors. Hey, do, cola. Allez, je vais prendre un strike pour ça. Ils vénèrent avec leur musique. Donc, peut-être que vous n'aurez pas la musique à ce moment-là, parce que j'aurais dû l'enlever. Peut-être que vous l'aurez. Vous verrez bien. Donc, ça se trouve, je parle et il n'y a aucune musique à le moment où je parle. De toute façon, je pense qu'on partage l'argent des deux personnages. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. I got out alive. That makes me the right age. Le retraite bien payé. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt. Rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. Des beaux billets verts. It's bullshit. Go to college. You're gonna rip people. Au lieu d'acheter des armes, j'aurais peut-être dû aller acheter une voiture. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? Bah ouais. What you saw the other day was a guy dealing with pests. Guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Peut-être que fils, ça doit être lui. Lost in an 80s movie fantasy. Pas fils. Yeah, I can see you spend a lot of time. Fils. Yeah. As much as I can.
So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. An apprentissage. Thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, beaucoup man. De dialogues, beaucoup. Dites-moi si vous voulez que je passe les dialogues ou si... Si vous voulez que je laisse, en tout cas moi, ça ne me dérange pas de les laisser comme ça. On voit à peu près ce qui se raconte et on sait ce qui se passe. C'est parti. On va où? Allons, c'est pas les... Si. Hey, allô. Jim. I'm going for a drink, Will. Dad, shit. I mean, our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. Okay, donc. All righty then. Son fils, my darling boy, is in trouble. Donc je pense qu'on va devoir aller le récupérer, enfin c'est ce qui était marqué en tout cas. C'est quelle belle baraque. Hein. Très très belle baraque. Mais où est la voiture de sa femme? Ah c'est la petite voiture rouge. Mais vu que on est rentré dans une vitrine avec la nôtre. Stupidité. Et c'est parti. Oh il peut pas venir jusqu'à là. On va peut-être dire pour marcher là. Oh mais il faut que je vienne te chercher jusqu'à où? Ah allez, dépêche. Lesson number one. Don't oops, la musique. Ever have kids. Hey, excusez-moi. Voilà. And look, if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, on va chercher le bateau. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit. Il fallait que je me la prenne. C'est pas croyable, je ne sais pas où. About my boat? Yeah, en même temps, je suis toujours à contre-sens. Yeah, tell my man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. C'est extrême, c'est une voiture de vent. J'explose la voiture en 16. Someone you want to impress. What the fuck? Je vais vraiment finir pour perdre. Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipperway motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. Ouais, t'es joli, la voiture. J'aurais bien pris la place de celle. Je sais pas si on va changer de voiture, mais il a précisé qu'il fallait prendre la voiture de sa femme. Quel beau rattrapage. Donc on s'approche de l'objectif. Oh, there it is. That's my boat. You're both in a fucking hurry, man. Comment on va faire pour we'll sauter? Ah, c'est Franklin qui va sauter là. Et si on changeait de personne, ça doit être, bah ça doit être ça en fait. On va devoir peut-être changer de personne pour sauter dans le bateau. Excusez. Ça durera un peu plus longtemps comme ça. Jump to the boat. Oh, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him.
Putain. Oui, correctement. Nom de Dieu. Donc cette fois-ci, on va essayer de pas se taper 700 voitures, mais en même temps, il y a un mec dans un bateau. Enfin, un camion avec un bateau. On va le voir ici. Voilà. Là, moi, j'accélère plus, donc il... on sait qu'il continue quand même de suivre. Peut-être. Peut-être pas. Donc on va lâcher le frein à main, ça va descendre le bateau, peut-être. Mais je suis toujours là. Bon, j'ai tiré plus sur Franklin que... Ah, c'est lui. Ouais, bah t'attends, ok. Le mode cinématique est vraiment bien. Oh non, on récupère pas le bateau, on récupère juste. On va arrêter le bateau, mais c'est pas. Now that doesn't sound good. Hey, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Hold it together. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. On s'en fout de son fils, on veut le bateau. C'est beaucoup plus important un bateau qu'un fils, c'est bien connu. Ouais. Ah, on va pouvoir changer la voiture. Je pense, hein, c'est Los Angeles Custom et que ma voiture est totalement défoncée. Enfin, pas plus que quand c'est moi qui l'utilise, mais bon. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I don't care. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. Vraiment plus puissant que ce bateau. J'ai vraiment du mal à monter. No wonder I can't get a job. Je tape une seule voiture, j'explose la bagnole. It's partly your fault. La justesse. I mean, I just want to impress you. Ah oui, et si vous avez des conseils pour le bruit de la manette, justement, si vous savez si on peut l'enlever, c'est pour enlever les bruits externes sur les micros, sur Audacity, faites-le moi parvenir, parce que je ne sais pas si ça vous énerve, le bruit du clic-clic-clic-clic de quand je bouge. Quand je bouge le pad, en tout cas, moi ça me saoulerait. Je pars du principe que si moi ça me saoulerait, vous ça doit vous saouler. Franklin, do me a favor, call me a taxi, will you? No problem. Ouf. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Thanks, man. Hey, so you want to do much? Not anymore. No, I before I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day. Die. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name How. He gonna look after. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right?
So you sure you're good? Paint spray. Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. It dropped it back. Ah, celui qui a pas la voiture, celui qui a mon argent. It's all good though, man. You go and get your hair right, alright? Alright, listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Show me. Hey, sorry, we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. À moins qu'on reprenne Franklin. Ah, cool. Los Santos vous souhaite la bienvenue. Peut-être pas non. Yeah. Oh non, parfait. C'est une autre voiture, mais bon, ça ira. Elle est quand même pas mal celle-là. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Voilà, comme ça, elle est nickel. Le blindage. Ah bon, on n'a pas d'argent sur ce. Oh shit, that's where it's at. Ooh, mama ain't gonna recognize this bitch. Ah mais c'est trop cher. Do it, F. This car is slower than a boat. Y a pas le equals pussy. Or échappement doux. Maybe like penis. Putain, c'est magnifique. Regardez tout ce qu'on peut. Regardez tout ce qu'on peut custom. My mama's car had almost as much work as my mom. Juste ça. J'étais obligé. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. La jaune sur moi, c'est toujours plus joli. On va pas y changer tout de suite. Oh yeah, paint job. But, ah, voilà. Ah non, toujours pas. Hello. Ah bah, oh oui. Shit, that's where it's at. Beautiful. LS custom style bitch, F-Dog. Bon, ça peut pas. On fait un peu de suspension. Mission. Do it, F. 13 000 euros pour le turbo. Let's get some sick ass rims. Tout ça, mais il y a tellement de trucs à voir. Tint these bad boys. Donc après c'était où la peinture. Mom sees a new paint job, she's gonna flip. C'est n'importe quoi. Chercher du rouge. Mom was never that hot on the red, homie. Hop. C'est que j'avais déjà. Donc du rouge métallisé peut-être, s'il y a. Non, voilà. Et la peinture secondaire, on va la mettre en noir. Oh yeah, paint ya. What up? Par contre, j'ai pas vu si il me semble pas qu'il y avait un néon. J'ai pas fait attention, mais je crois pas qu'il y en avait. C'est dommage. Enfin, je reverrai. Je vais re-regarder. On va pas passer 15 ans quand même ici. Noir carbone. Non bah c'est pas, c'est déjà bien. On a rajouté un aileron et on a changé le bâtiment. Écoutez. J'aime bien, c'est bien fait de regarder. Si j'avance, que je freine d'un coup, il recule. Alright, man, I'm taking you home. C'est parti. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Ouais, moi, c'est the credit for our guy, the home invader. You know what's coming with you? Direction à la maison, on va essayer de pas exploser la voiture parce que. No, I mean, sure. Jimmy, ain't he?
are James. Jimmy. Or just like Jizzle? No, man, I'll just stick with Jimmy, homie. T'as déjà explosé. So, what's the deal? Même dans l'avant. What's the deal, man? Huh? J'ai dit, il faut pas l'exploser, je pense que je vais exploser avant d'arriver. On coupera après être arrivé à la mission. Ça fait déjà 35 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Je vais faire une vidéo de 15 minutes. C'est pas grave. J'espère que vous appréciez, je fais des longues vidéos. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, then... Right. That's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, sorry my dad lost you your job. It's hard out there. It's hard out there. Huff, I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Il n'avait pas de boulot. Ou... Il vendait de la drogue, qui fait tuer des aliens. Non, Il n'a jamais bossé. Il faut le travailler. Non, mais j'en ai marre. You play Right to Slaughter? Ah, je crois avoir trouvé la moto. Donc on devait faire ça pour réparer la voiture, elle est encore plus abîmée que quand on l'a pris. Bon non, c'est vrai, le moteur va mieux, mais bon. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, shop it, you know? Play darts or get our drink on. Ouais, jouer aux fléchettes. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. Mm-hmm. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Voilà. On a un nouveau contact, Michael. Sans une égratignure, on a carrément loupé cette mission, donc on a le résultat bronze. Bon, c'est super nul, mais c'est pas grave, bon, si jamais un jour on recommencera l'émission. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et à vous abonner pour suivre le reste des vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!